Bon, eh ben, bienvenue Vorlex pour cette présentation de ta collection. Comment ça Merveilleux. va? Merci, merci bien. Ça va très bien. Alors là, apparemment, comme tu m'as dit, t'as pas mal de choses à me montrer. Ouais. Donc bon. Beaucoup de choses entre vêtements, petites figurines, objets collector. Dans Ah, tous ces Vincent, cas. j'ai bien aimé ton petit sabre. Je sais que je lui dis souvent, Ah mais. ouais. J'aime bien ce petit sabre laser. Bon, à mon âge, je me vois pas trop acheter ça. Peut-être pour la collection, je sais pas. Ah, mais moi, mes sabres, c'est pas que pour la collection. Ah oui. Je sais pas si tu veux en parler, vas-y si tu veux en parler comme tu veux. Ouais, bah en fait, avec famille et amis, je fais un court métrage de plusieurs épisodes. L'histoire n'est pas finie, rien n'est fini. On essaie de rajouter des petites choses à chaque fois. On essaie de trouver un peu de nouveaux personnes qui pourront nous rejoindre. Voilà, pour Mais l'instant, c'est. Et puis, vous avez quand même déjà bien avancé. ouais, on a tourné quelques scènes. Mais après, ça reste amateur, hein. C'est du matériel. Voilà, Ouais, mais bon, en il n'y a même pas de temps, secret le but d'art. après, c'est de se faire plaisir. Moi, comme je t'ai Ouais. toujours dit, moi, ça me ferait vraiment rêver de faire même ça, de pouvoir jouer là-dedans, ça serait trop bien. Et bon, là, il y a la Ça nous distance. Ou alors, comme on a dit, je sais pas, je m'enregistre, je sais pas ouais, comment. tu t'achètes un fond vert déjà, ça Ouais. faciliterait Ah, putain, déjà, il beaucoup. faut que je réussisse à le caler ou à le mettre, je sais pas comment. Enfin, ce serait assez le bordel, je pense, le fond vert. Bon, et on va rétablir tout de suite la vérité, on va être honnête. Je sais que t'as pas l'habitude d'être honnête, mais moi, je suis quelqu'un d'honnête. Tu vois pourquoi je dis ça, Oui, je vois où tu veux hein? en venir. On tourne pas la vidéo parce que tu as été sélectionné, mais on mettra la vidéo quand tu seras sélectionné parce que Voilà, exactement. ça t'arrange de le tourner maintenant. Ouais, Bon, on va pas en c'est dire ça. plus, mais bon, ça t'arrangeait, donc du coup, on s'est arrangé pour faire la vidéo Ça a été maintenant. compliqué pour réunir tous les objets. Comme je suis pas souvent disponible, voilà. C'est On ça. Et filme, donc on là, fait la voilà, vidéo. bon, t'as eu la décence de me dire que là, tu pouvais maintenant et que tu te rendais disponible, donc ça, c'est cool. Et ben, du coup, je te T'as propose réussi à de trouver un petit commencer. trou dans ton emploi du temps Ouais. de dingue. Ah ouais, Et puis putain, voilà. mais c'est pas facile, mais ça va. Ça va, ça va. Les week-ends, surtout, bon, je peux me libérer. Ouais, Allez, bah, je te c'était cool. propose de commencer alors. Alors, entre. Ouais, je pense qu'on va commencer par les vêtements. Je sais pas si t'as établi un ordre, ouais, plutôt par catégorie. Ouais, je ne sais pas trop en fait. Je vais y aller un peu au Ah bah, feeling. vas-y au feeling, c'est le mieux. On va faire les vêtements. Donc, à chaque fois, je vais déplacer un peu mon ordi pour voyager tout parce que là, tout est Ouais. autour de moi. Fais Donc, comme tu voilà, on veux, va fais faire comme comme ça. tu peux. Oh, Alors. il nous a présenté ça comme dans un magasin de vêtements. Alors Celui-là? attends, moi je veux celui du milieu là. <-là> Ouais, il est classe. Donc, Yoda avec ses petites lunettes. R2D2 un peu en forme cubique. Ah Voilà. ouais, pas mal celui de droite, d'accord. Oh, ça fait un peu, tu sais, t-shirt marin avec les rayures, Ouais. mais ça fait. C'est un peu. C'est le pyjama de mon père en fait. De temps Ah, en temps, il met génial. ça. Le petit R2. C'est énorme. Et donc, la question, je vais te la poser tout de suite. Ton fanatisme Star Wars, il t'a été hérité ou tu l'as eu toi-même? Ah, il m'a été hérité. Je m'en doutais. Et voilà. Mon père, c'est un grand fan aussi. Ah ouais. Il adore ça. Mais moi, j'ai plongé dedans aussi, hein. Mais tu sais que moi j'ai pensé à un truc, c'est que si ton père, je sais pas s'il aime parler à la caméra ou je sais pas trop quoi, ou s'il est Ouais. timide ou j'en sais rien, mais s'il avait eu l'envie de présenter cette collection avec toi, s'il était fier Ouais. de dire ce qu'il a, moi je dis, il n'y a aucun Je lui problème. demanderai s'il veut participer pour montrer le Voilà. best truc à la fin. Ok, et ben Voilà. si tu veux, parce que moi, franchement, ça me ferait Je lui demande. plaisir. Comme je t'ai dit, là, ce que je veux, c'est voir les collections, mais aussi surtout les personnes qui les présentent, la passion. Et si ton père, c'est un passionné, moi, je demande que ça, qu'il nous transmette aussi sa passion. Donc voilà, Peux surtout pas en si. parler trop pour Et l'instant, bon, mais. on va pas en parler. On va pas en parler. Voilà. Allez, on continue. Un t-shirt Dark Dark Vador. Vador. Un peu Illuminati. Ah oui, avec le triangle, oui, ça fait bien Illuminati, tiens. Ouais. Ça fait la Mais. secte de Star Wars. Ouais, c'est ça. Mais en plus, il faut savoir que presque toutes mes affaires Star Wars, c'est ce qu'on m'achète. Hein. C'est jamais moi qui Bah achète. oui. Jamais cette idée. Un bonnet Stormtrooper Star Wars. Ouais. Ah On oui. m'achète même des caleçons. Ah ouais, mais ça fait partie des vêtements. R2D2. Bah le Ça, il n'y a que R2. moi qui le sais. Hein. Non, Alors, mais ça va. ici, ouais, objet que j'utilise beaucoup, c'est Ah. une cape Jedi. Ah oui, tu Donc l'utilises là, pour. elle est noire, c'est Sith. Donc, si tu veux, je peux la mettre, histoire que tu vois à quoi ça ressemble. Eh ben si tu veux, ouais. C'est vraiment un truc immense avec la Avec la capuche. capuche. Voilà. Putain, le site.
Il faut savoir que on en a une noire et deux marrons. D'accord. Et ils sont où tes éclairs là? Parce que moi, je les ai pas vus là. Non, je maîtrise pas encore moi. Côté site, non, c'est pas trop ça. Après, si tu veux, je peux te faire des éclairs au chocolat, il n'y a pas de souci. Ça va, je fais attention à ma ligne. Oui, c'est vrai. Maintenant, je peux te montrer tout ce qui est jeux et Ah. films. Je vais te présenter un par un. Bam, petite pile. Tac. Oh, alors attends, ça va peut-être m'intéresser parce que du coup, tu auras peut-être des jeux que je connais pas et que tu vas me dire qui sont peut-être Alors, sympas et il du y a coup, des je me. jeux très vieux aussi. J'essaie de regrouper un peu. Eh ben, grâce au Humble Bundle, j'ai pu me procurer pas mal de vieux jeux que je n'ai toujours pas commencé. Mais ils sont tous sur Ouais, c'est ordi et dommage. comme c'est des vieux jeux, ça passe. Donc, il faudrait que je les essaye un jour. Peut-être que tu en as, je sais pas, vas-y. J'attends de voir. Ouais. Quelle console déjà? Un peu de tout. Ça va être un Ok. peu polyvalent. D'accord, bah vas-y. Star 3DS. Wars. Ouais, 3DS. Ah oui, Clone le. Wars. Et celui-là, il est pas sorti que sur 3DS, celui-là, je crois. Alors pour te dire, j'en ai aucune idée. Ouais. Bah, mais Star Wars 3, il me semble. Parce qu'en fait, à un moment, je regardais un petit peu les Lego Star Wars qui existaient. Il me semble que lui, je l'avais vu bah, sur Wii, en fait. Ouais, c'est possible. C'est Et ça possible, va, eux? possible. Enfin, mais. Parce que t'en as plusieurs jeux Lego? Enfin, je sais pas, on va peut-être les voir. Non, j'en ai qu'un seul. Et sur 3DS, ouais, enfin, c'est tout aussi. Je pense que comme ça nécessite pas des graphismes de malade, ils peuvent autant aussi, enfin, faire aussi bien sur console que sur console portable. Après, PS2, Star Wars Battlefront. Ah donc, alors Ouais, ça c'est le il y a un tout petit retour. premier alors. Ouais, celui-là, là, c'est vraiment. Oh putain, merde. Spoil. Ah, j'ai rien vu, Je j'ai vais rien rester de vu. ce côté-là. Voilà, donc Battlefront. Tac. Ouais, ça fait vraiment partie des premiers. Ouais, parce que dis-toi que moi, donc comme je connaissais pas les jeux avant, pour moi le Battlefront c'est celui sur PS4 et je les connais pas du tout ceux d'avant. Ouais, bah oui. Et ça, c'est des jeux. Je suis passé des heures et des heures. Et c'était en C'est. ligne déjà à l'époque? Non. Celui-là, non. Ah, la Ou. Ah, bonne si, époque. c'est marqué avec jeu en réseau. Ouais, mais je pense que c'était pas autant Mais je pense que personne prioritaire n'y que joue. maintenant. Ouais. Et ça a bien vieilli, tu sais pas? Si aujourd'hui c'est Je encore pense que jouable ça ou se voit. pas. Ouais, franchement, ouais, tu as moyen de t'amuser encore beaucoup. Et donc t'as une campagne solo dedans. Pas dans Battlefront. Ah Non, il me d'accord. semble pas, non. C'est Attends. pas dans Battlefront. Attends, mais alors là on soulève une petite polémique, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui gueulent comme quoi il n'y a pas de campagne solo, mais ça fait des années que c'est comme ça alors. Ouais, Battlefront, ça a toujours été ça, en fait. Ah. Bon alors Alors, j'en c'est. ai un autre. Battlefront 3. Ah donc toi c'est pas c'est le 2 celui-là. 2. Ouais. Ouais, Je Star vote Wars deux 2. bâtons. Autant Ok. pour moi. Donc c'est un peu. Ça va, tu vois, avec le reflet? Oh, un petit peu, ouais, ça va. Il y a un petit reflet, je vois ça. Et qu'est-ce qu'il y a alors de différent entre le premier, deuxième? Alors, j'y ai joué, je devais avoir 10 ans. Pour te dire comment ça remonte loin, j'en ai 18 là. Ouais. Bon, je pense c'est les maps. Bah là, déjà, quand on regarde les pochettes, il y a Stormtrooper, là, il y a Clone. Donc, je pense d'un côté, ça doit être plus porté vers la trilogie 4, 5, 6 et l'autre 1, 2, 3. D'accord, Après, donc c'est ce que je pense. changement de contexte au niveau de Ouais. l'histoire, amélioration des graphismes, proposition de Ouais, maps franchement. supplémentaires et différentes. Ouais, d'accord, ok. Ouais, non, mais c'est bien Ouais. comme changement. Là, comme on voit, tu Oui. vois. Clone, Stormtrooper. Exact. Après, le jeu aussi PS2 que beaucoup doivent connaître. Star Wars épisode 3, c'est la Ça a revanche changé. des. La revanche des Sith, ouais. Alors ça, c'est un jeu où tu contrôles les Jedi. Et Ouais. c'est une campagne. C'est vraiment principalement campagne. Donc il y a des petites missions secondaires et tout. Mais alors là, c'est un peu passé au là. C'est un peu jaune. D'accord. Et c'est un jeu qui est apprécié? Ouais, énormément. Ah ouais. Ah, oh bah génial. Bah tu Ça, sais c'est quoi? vraiment. Je crois que je viens de trouver le prochain que je vais me procurer. Ouais, c'est génial, franchement. C'est toute l'histoire du 3. Donc, tu Ah passes par ouais. plusieurs Jedi. T'as même des missions, t'as des petites missions secondaires où tu peux contrôler, tu peux faire 1v1 pour un Jedi. D'accord. Tu peux même jouer Obi-Wan version Sith. Non. Si, t'as Ah, il pique vraiment des des mêmes petites. délires Même. comme dans les Dragon Ball Z avec les je sais pas quoi, les fusions de. Ouais, Ouais, c'est. ils extrapolent un peu. Ouais, non, mais c'est pas Ouais. mal.
Puis ouais, si tu veux jouer avec tes amis, franchement, tu passeras du bon temps, je pense. Non, moi je pense que c'est surtout la compète solo que j'ai vraiment envie de voir. Ouais. Et il t'invente de ces droïdes, c'est un truc de fou. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, franchement, tu vois, je me disais parmi ce que tu as, il y en a peut-être un qui va m'intéresser, bah là, pas manqué. Je l'avais certainement déjà vu, mais j'attendais à ce que quelqu'un me dise s'il était bien ou pas. Donc du coup, merci, parce que Bah, comme je te le ça, au conseille moins. fortement. Oh bah super. Prochain jeu, alors c'est à mon frère, j'ai pas trop joué. Le Ah bah, pouvoir de moi la par contre, force. ça, je le connais bien. Là, tu vois, j'ai regardé les cinématiques parce que comme on peut utiliser ce jeu pour faire des hypothèses sur le 8 ou je sais pas quoi, fallait que je m'informe. Ah bah Bon, j'ai oui, été voir les cinématiques. évidemment. Galen, Dark Plagueis, ou Ouais. pas? Ouais, bah tu vois, c'est les premiers jeux que j'ai fait de Star Wars après être devenu officiellement fan, on va dire. Bah en fait, ça fait bizarre quand tu deviens fan et que tu contrôles pour la première fois un héros de la saga où tu peux foutre des coups de sabre et tout. Surtout que Ouais, la première fois dans c'est le 1, génial. dans le pouvoir de la force, le premier que tu contrôles, c'est Vador. Et ça fait Ouais, bizarre. ah Ça, mais ouais. c'est C'est vraiment cool. comme c'est ce que j'ai revécu aussi avec Battlefront. C'était tellement longtemps, Battlefront, Ah bah celui-là, oui. hein, c'est Ouais. nouveau. Hein. Ah bah Avec les ouais. missions secondaires où tu contrôles Dark Vador et tout, t'anéantis la base rebelle, franchement, c'est jouissif. C'est vrai que quand t'es fan depuis un bon petit moment et que bah c'est vrai que Star Wars était un petit peu retombé, que ça remonte d'un coup et que t'as des jeux, alors surtout, bon ok, il a pas de campagne solo, il lui manque certainement un peu de contenu, mais comme j'avais dit lors de mon test, il est tellement beau et il respecte tellement l'univers de Star Wars qu'en fait, putain, quand t'es fan, déjà que moi qui étais un Oui. jeune fan, je peux te dire que j'en ai pris plein les mirettes et je me suis éclaté, alors j'imagine pas toi. Le graphique et les sons qu'ils ont mis dans ce jeu, niveau vaisseau, blaster, même toutes les petites interactions qu'ont les héros. Quand Ouais. tu les entends parler et tout, franchement, c'est génial. Ouais, et Super surtout beau. qu'en plus, toi, tu peux comparer avec les anciens Battlefront et voir à quel point c'est évolué. Ouais. Et Alors, ça. je t'avoue que c'était pas mal aussi de contrôler Yoda, de sauter partout. Eh ben ça, je sais même pas comment tu le contrôles, ni j'ai jamais vu encore. Bah, je te laisse la surprise, là, si jamais tu veux acheter. Ou... Je sais pas, tu me dis qu'il n'y a pas de campagne solo dans les Battlefront, ça Ouais. me. Ouais. C'est pas un jeu où tu joues hyper longtemps, enfin maintenant qu'il y a les nouveaux. Ouais, bon, je regarderai des vidéos, je pense. Voilà, c'est tout ce que j'avais en jeu vidéo, Star D'accord, Wars. et tu n'as pas le fameux. Alors, il y en a un que j'écoute, mais enfin, j'entends parler énormément de ce jeu. Je crois que c'est Rogue Squadron 2 ou un truc comme ça. Il était sorti sur Oh, non. GameCube. Et Non, lui, à non. ce qui paraît, c'est un jeu, mais de malade. Je ne connais pas du tout. Je ne Et sais pas ce que c'est. ben voilà, ben, moi, il faudrait que je me le Ah, procure. j'avais aussi le même jeu que Vincent il avait sur Wii. Mais que ma Wii, je l'ai vendu, ça y est, Ah oui, c'est. d'accord. Voilà, bon Bon. après, ça on va passer rapidement. C'est tous les films. Ah bah les Les films fameux. notamment avec le 7. Aha. Hop, 6. Hop, 5. Ah, ça me fait voir les jaquettes, c'est bien. Hop, 4. Hop, 3. Et hop. Non, j'ai pas le 2 et le 1, je l'ai prêté. Oh. C'est triste. Mais tu n'as pas les Mais je... CD originaux que a Vincent, avec les fameux machins marqués Non. à la main et tout. C'est pas collector. Ouais, ah ouais, non. J'ai pas eu cette chance. Non, mais. Puis pareil pour le 7, j'ai pas les coulisses, moi. C'est juste le DVD Ah intégral. mince! Donc, j'attends que quelqu'un le sorte sur YouTube, que hop, j'aille voir un petit C'est coup. pas encore fait? Non. Ah bon. Hop, on s'attaque à Clone Wars. Ah. Alors là, les Ça, séries. c'est un film. Celui-là, c'est un long Ah, métrage d'accord. de 1 heure Et et donc, demie. c'est un film qui se passe à quel moment de la série, du coup? Donc, c'est entre le 2 et le 3. Donc, parce qu'on voit Anakin qui a ses longs cheveux. D'accord. Non, mais en fait, excuse-moi, je te parlais de la série Clone Wars. Ou alors, ça n'a rien à voir. C'est au tout début. Ouais, c'est au tout D'accord. début. Ok. C'est Mais sinon, avant ça se passe en saison. fait. Et donc, en fait, alors, ça veut dire que Mais ça se en fait, passe il y en a un... fait au même moment que Disney Infinity. Je crois. Peut-être. Ouais, À si, c'est toi de me ça. dire, je ne suis pas trop Enfin, sûr. le déchu de Star Wars Infinity. Parce que Star Wars Infinity, c'est fini. C'est fini. Ouais. Ouais. Bon, Et donc, il y alors. a un truc après, je sais pas, en fait, je crois qu'ils ont considéré ça comme le volume 1. Ouais. Et donc, après, ça,
Volume 2. Enfin, saison 1, mais volume 2. Et là, ça, là, c'est le début de la série. Ah d'accord, donc ah oui, le volume 1, Je suis pas c'est le vraiment film. sûr, on peut me rectifier, mais voilà. Parce que ça, j'ai pas trouvé plus récent en fait. Bah ça dépend en fait, si c'est saison 1, volume 2, est-ce qu'il y a tous les épisodes dedans? Ouais. Bon Ouais, bah ouais. c'est que c'est le film alors. Ouais. Parce que sur le film, c'est marqué volume 1 ou pas sur la pochette? Non, il marque rien du tout, justement. Ah, peut-être qu'ils avaient pas prévu à la base de faire un volume 2, et donc du coup. Ouais, peut-être. Peut-être qu'il voulait faire un long métrage et puis c'est tout. Ouais. Bon d'accord, ok. Donc, Donc hop, t'es volume un 2. bon connaisseur de Clone Wars alors. Oui. Ah. Volume 3. Tac. D'accord. Et Alors que puis moi, franchement, je m'y voilà, connais donc pas du toi, tout. je sais que tu as commencé Rebelle. Oui, et je Moi, continuerai. j'ai presque fini la deuxième saison, mais pour l'instant, Clone Wars, ça reste Le mythique. must. Ouais. T'en apprends tellement, hein, puis avec tous les Jedi. Ouais. Et puis de toute façon, j'ai toujours préféré Clone versus Droïde que Stormtrooper versus Rebelle. D'accord. Voilà. Et puis, ouais, donc ça, tu vas peut-être pas tilter, mais dans Rebelle, ils font aussi des petites références à Clone Wars. Ah bah oui, bah du coup oui, je tilterai Du coup, pas. tu sais. Donc voilà, niveau visuel, c'est tout ce que j'ai. Bon bah bien, vêtements, jeux, films, séries, on est plutôt pas mal là, ça va. On voit Ouais, qu'il y a après, de la la collection là. saison 4 et 5 de Clone Wars, je les ai en téléchargement. J'ai pas les DVD. D'accord. Donc j'ai tout vu. Mais c'est fini aujourd'hui, il n'y en a plus qui sortent. Je ne sais point. En tout cas, il y a un final. Enfin, il y a un final de la saison 5, pas mal. Il pourrait s'arrêter là. D'accord, mais j'ai pas entendu qu'il allait avoir une saison 6 justement. Ou qu'il y en a déjà une, Il enfin je me sais. semble qu'il y en aurait une autre. Mais je sais pas, je suis D'accord. pas sûr. Bon Je vais bah la de vérifier. toute façon je pense qu'on nous le dira. Ouais. Je sens qu'il y a des experts parmi les abonnés qui connaissent bien ça. À chaque fois ils me rectifient, non, il se passe Mais non, ça mais ou t'es ça. con, c'est ça qu'il faut C'est voir. ça, non. Ils sont pas aussi violents, mais ils sont sympas, ils me rectifient. C'est comme ça que j'apprends aussi, hein, remarque. Ouais, bah oui, normal. C'est culture partagée. Hop, moi, Exactement. tac. Qu'est-ce que ça va Le être cette cadeau fois? que j'ai fait à mon père. Oh, toi-même? Ah oui, d'accord. Ah Ah. oui. Et Ah. ça, je peux vous dire que tous ceux qui ont dit oh, Star Wars 7, c'est pas terrible, le son. Enfin, John Williams, il a pas fait de vrai travail et tout. Alors là, Je suis je pas d'accord. comprends. Ils l'ont vu qu'une fois, ils ont pas fait attention. Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que les gens, enfin je l'avais déjà dit dans une vidéo, mais les gens aimeraient que ce qu'ils écoutent maintenant, ce soit, ça fasse déjà partie de leur passé et qu'ils s'en souviennent déjà. Mais non, un mythe, un souvenir, tu le forges avec le temps et Ouais, tu ça peux pas évolue. à la fois avoir la découverte et le souvenir. Donc, Ouais. non, non, c'est sûr, moi je l'ai écouté, je l'ai. C'est vrai que j'ai pas l'occasion de le réécouter souvent, mais j'aimerais bien pourtant. Mais c'est vrai que non, 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 Moi, j'ai tout il dans n'y a mon pas photo. portable. Ah ouais. Une fois par jour, j'écoute une petite musique là. Ah, génial. Il y a ça aussi, ça c'est juste quelques musiques de Star Wars 4, 5 et 6. D'accord. Donc ça s'était vendu à l'époque, on reconnaît les vieilles Voilà. boîtes. Et ça va là, on en est, à ton avis, on en est à la moitié, trois quarts, un quart? Un tiers ou un, ouais. Un tiers, non mais c'est bien, c'est bien. Un quart, un tiers. Bon, c'est bien. Je vais vous Putain, montrer. là, je pense qu'avec ce que t'as fait, t'en as déjà plus que tous ceux qui ont présenté jusque-là. Tu vas faire des jaloux, Vorlex. Ouais, bah j'ai été jaloux, maintenant je me venge. Même si les Jedi ne se vengent pas. Là, je vais vous montrer d'autres objets que j'utilise pour mon court-métrage. Tac, à Ah, ça savoir c'est les intéressant. sabres laser. Ah ouais. Et attends, Donc et alors voilà. ça veut dire que tu les remballes à chaque fois? Ouais. Oh là C'est là. dangereux. Ah Donc, donc c'est ouais, pas pour du ce que vous genre voyez, à... c'est assez. Je vais essayer de l'allumer, ce serait même mieux. Ce serait pas mal. C'est petit, hein, c'est pas la taille originale, parce que voilà. Ouais. Mais Oh, le ça bruit et tout. s'allume comme Kylo Ren et comme ouais, celui de Vincent. Ça fait du son quand on Nickel. tape. Sais Ah pas si ouais. t'entends. Ça c'est pas Celui-là, mal ça. c'est Dark Vador. En version petit.
D'accord. Mais c'est déjà vachement Mais c'est... Ouais, tu... Par contre, je pense que sur le tournage, vous devez quand même bien y faire attention. Ouais, parce que s'il y a, comme c'est plein de LED à l'intérieur, on ne peut pas taper très fort. Et oui. Sinon, ça peut se casser. Et... Voilà, c'est assez fragile. C'est ça, ça a coûté 50 euros pour ceux qui veulent savoir sur Internet. D'accord. Ah ouais, quand même, ça fait son prix. Mais Donc, ouais. 50 euros, je trouve que c'est génial. Donc du coup, ça fait du bruit, mais je pense que pour le court-métrage, t'es obligé de la rajouter vu que tu peux pas taper bien fort. Et puis même pour réussir à capter le Ouais. bruit, c'est pas forcément bien. Ouais, bah ça fait un bruit de bâton en fait quand tu tapes. Ouais. Donc après, un autre. Alors c'est pas un sabre laser de Stormtrooper, hein, parce que ça n'existe pas. Ouais, je me disais aussi. C'est À part ici. si c'est le truc dans le set du mec qui le déplie, là, je sais pas trop Ouais, quoi. tac, c'est à Yoda. C'est idiota. Je Yoda. suppose qu'il est vert. Oui. Toi, t'as dû regarder les films, toi, non? Ouais. Je crois bien que je les ai vus, ouais. Est-ce qu'il a le fameux Alors. truc sur le sabre qui le différencie des autres? Bah, après, chaque Jedi a un manche différent. D'accord, ouais, c'est vrai que moi après je les connais pas. Après, celui-là, je ne sais pas si c'est la vraie taille de Yoda, parce que son sabre laser, il est plus petit que les autres. Il Hein. est plus petit, ouais. Donc, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, ça fait vraiment classe, hein. Je sais pas comment ça rend en vrai, si tu vois les LED dedans ou pas. Non, 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 ça ne voit vraiment pas. Ça rend comme dans la caméra là. Ouais, c'est Putain, pareil. ça fait classe, hein. En plus, il s'éteint Il y a un bien effet. du haut vers le bas, c'est. Il y a le son et tout. Ça c'est chelou, j'ai jamais compris. Enfin, je crois que ça s'allume en fonction du son. D'accord. Et puis, le dernier, parce qu'évidemment, un rouge, un vert et un bleu. Ah, bah oui. Il s'agit de Obi-Wan. Obi-Wan. Ah ouais. En Putain. bleu. Ah non, mais je trouve ça magnifique, moi. Avec un manche comme cela. Ils ont l'air Et massacrés. Ils sont celui-là, lourds ou pas? non, non, ça va. Non, c'est assez facile à manier et tout. Oh, Celui-là, il est attends, pas. attends, attends, tu sais manier le sabre. Ben, il fallait que je m'entraîne pour mon film, hein, évidemment. Hein. Putain, j'aimerais bien savoir faire ça, moi. Vas-y, tu peux pas faire des Celui-là, petites démonstrations, non? si tu veux, je vais aller éteindre la lumière alors. Ah Mais ouais. celui-là, il est quand même beaucoup mieux que les autres parce qu'en fait, il n'y a rien. C'est juste un bâton. Donc, pour manier, Et ouais. c'est beaucoup plus efficace. Et ouais, c'est vrai. Allez, on veut tous te voir à l'œuvre, là, Allez, hein. bon, j'enlève mon casque. Vas-y, ouais. Je vais essayer de pas péter tout ce que j'ai placé là. Ouais, essaye, Je vais ouais. tourner par là. Vas-y, soft. Ouais. Bon, on va voir Vorlex à l'œuvre. Tant que Jedi. Ah là, de toute façon, il a choisi le bon côté, hein. C'est le plus. Remarque, c'est le plus simple. Hop. Allez, c'est Oh, parti. pas chaud. Allez, vas-y. Oh putain. Non, mais attends, mais il est dingue. Oh, bon, par contre, on voit rien ce que tu fais, hein. Ah, ça, c'est marrant, mais j'entends pas du tout ce que tu dis. Ouais, parce que t'as pas ton casque. Putain, en tout cas, ça fait classe, hein. Mais je vois pas comment ça fait autour de ta main. Faudrait que tu nous montres ça avec la lumière. J'espère que ça n'a pas trop lagué. On peut voir un peu. Alors, c'est assez lagué. En tout cas, ça fait joli, hein. On a presque vécu un feu d'artifice tous ensemble, c'était cool. Moi, je suis impressionné de la vitesse, à quel point tu le fais. Par contre, moi, ce que j'aimerais voir, c'est avec la lumière. Voir comment Ouais. ça passe autour de ta main et tout. Enfin, je sais pas comment tu le manies, en fait. Bon. Mais... Espérons que ça ne va pas. Ah ouais. Ouais, ça lag un peu. Ouais, mais ça... C'est pas mal. On voit déjà comment tu fais. Ça Alors, paraît simple vu comme ça, mais je suis sûr que ça ne l'est pas. c'est du temps après, faut Ah juste. ouais. Mais en tout cas, c'est vraiment super classe de savoir manipuler un sabre. Je peux te le dire. Parce que tu peux même le faire avec de simples bâtons, trucs comme ça, et ça fait toujours son petit effet. Ouais. Puis
Je ne sais pas si tu vas te rappeler, étant donné que tu as vu qu'une fois la saga, le Ouais. combat Anakin Obi-Wan, où à un moment ils s'affrontent et puis ils sont face à face, juste face à face, et puis ils font tourner le sabre tous les deux, et La puis au bout d'un fameuse moment ils séquence des s'arrêtent. toupies. Voilà. Et bah ça, bah, c'est ce que je venais de faire là. Donc, Ah d'accord. en fait, c'est un mouvement répété, tac, tac, Et est-ce que tu aurais des astuces pour tac. des personnes qui aimeraient aussi savoir manipuler le sabre? Ou est-ce que ça nécessite un apprentissage quand même assez long et assez poussé? Bah après, c'est souvent répété, hein. Ouais, Bon, je connais c'est. pas énormément de mouvements, hein, je suis amateur, hein. Mais je pense que déjà Mais rien que réussir à le faire, parce que tu le fais quand même tourner autour de ta main. D'accord. et après, il y a le Ouais, c'est. côté. Ouais, c'est même pas tourner autour de la main, c'est. D'accord, c'est faire des mouvements en fait. Et après, donc tu passes derrière, hop, tu changes de main, hop. D'accord. Un droïde, hop. Et tu as appris comment? Bah, ça, tout seul. Et puis, il y a d'autres trucs que je commence à voir sur YouTube. Des gens qui te montrent un petit peu. Tout seul, putain, moi je serais incapable de déjà de savoir quel mouvement faire. Donc Alors, quand chapeau. tu t'achètes ça, donc au début, tu joues avec ton frère ou machin à faire des petits trucs, à se filmer de temps en temps. Ouais. Après, tu commences à faire des chorégraphies. Après, le soir chez toi, tu fais si je fais ça rend comment? Hop, et après, je peux faire comme ça. Ah ouais, ça, c'est sympa. Et Ah, puis voilà, et puis à force, tu rentres. il faut avoir quand même une petite âme créative et autodidacte et que apparemment tu as, donc félicitations pour ça parce que c'est pas évident, je pense. Et il faut avoir la patience aussi. Donc non mais bravo, franchement très belle Après. démonstration, tu vois. Franchement, je vais te dire honnêtement, je pensais pas que tu le maîtrisais aussi bien, donc chapeau. Après, ouais, je peux dire aussi, il y a des écoles de sabre laser en France. Ouais, j'ai Je entendu crois qu'il ça. y en a trois, dont une à Paris, qui s'appelle la Sport Saber League. Ils vendent des sabres aussi, plus grands, beaucoup plus costauds. Tu peux vraiment taper avec. Il n'y a pas de LED. Mais bon, après, tu n'as pas le son quand ça se déplace et tout. Mais c'est vraiment pour du sport. Et D'accord. c'est assez cher par contre, hein. 180 euros. Ça m'étonne pas. Et il y a même des tournois, hein, de sabre laser, des Oh combats, bah c'est vrai, ouais, ça non un plus, ça sport. m'étonne pas. Donc voilà. Ça, j'ai D'accord. découvert ça. Et tu comptes y participer? Non, je ne pense pas, parce que je pense que je vais me faire humilier. Après, c'est comme tout, ça s'apprend, hein. Ouais. Moi, je préfère faire des petites chorégraphies, voilà. Ouais, mais c'est déjà bien sympa. Surtout en plus si après tu peux les utiliser dans des petits films amateurs comme ça, c'est cool. Ouais, puis on passe du bon moment, on s'amuse et En tout. plus, c'est le principal. Voilà. Ah ouais, j'ai celui-là aussi. Ça, c'en est un que. C'est juste un petit en plastique. Donc le même Dark Vador. D'accord, et lui il se déplie, je suppose, non? Voilà. Ah ouais. Celui-là, La pas de classe. son, rien du tout, pas de lumière. Mais voilà. Si jamais dans mon court-métrage, je veux le mettre à ma ceinture sans qu'on voit le bout, ben voilà, c'est ça. D'accord. Voilà. Avec le Bien. truc, petit truc comme Vincent, je crois. Ah ouais. Ça, tu mets la ceinture. Pour mettre à la Voilà. ceinture, ouais. Je vais faire un petit teaser. Oh. Ça va être On très veut un rapide. teaser. Vous voulez voir quelques têtes? Oh. 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 C'est tout. C'est tout? Ah. Oh. Mais c'est C'est quoi? tout. C'est des perruques, c'est quoi? C'est des masques en latex. Oh, donc un truc assez avancé alors, hein, qui. Ouais. Bon, les bouches les, ne bougent pas, les yeux ne bougent pas, rien du tout. Voilà, acheter sur Internet aussi. Ah, c'est un budget quand même, malgré tout, hein. Mais le Mais pire, je c'est suis. qu'on a tout acheté avant même de savoir qu'on allait faire un court-métrage. Ah, bah, Au c'est début, bien. c'était juste par passion pour quand on allait dans des expositions, des trucs comme ça. Et je suppose aussi que les personnes avec qui tu le fais doivent aussi avoir quelques trucs. Ouais, ben, ils sont tous passionnés, hein. Bah, tant Ils n'ont mieux. pas une grande collection comme moi, mais enfin, ils ont tous un ou deux petits trucs, voilà. Dac. Ouais, bah c'est bien comme ça. Je leur apprends un peu à manier le sabre, voilà. Mais Le voilà. maître. Voilà. Donc, je peux te montrer un petit gadget que Je mon t'en prie. père a ramené du Japon. Ouh. Ouh, Ah, déjà, du il a été au Japon, Japon. petit truc délirant. Que, ouais, il fait beaucoup de voyages, alors des fois, il me ramène des petits trucs. Ah, Je ça, connais un c'est peu cool. mes goûts. Petit gadget. Un mini R2D2. Mini R2D2. Et qu'est-ce qu'il fait ce mini R2D2?
Il est téléguidé. Oh punaise, ah, il est vraiment tout petit. Par un sabre laser. Alors attends, il est téléguidé par un truc qui est plus gros que lui. C'est Ouais, ça? c'est assez bizarre, ouais. Non. Je vais poser mon ordi là pour que vous voyez. C'est comme si tu jouais à la console et qu'en fait tu jouais avec une manette qui était plus gros que ton écran. C'est un peu ça, ouais. Alors j'espère qu'il est chargé. Là, ça va, tu le vois? Ouais, je le vois bien. Alors. Oh, on va pas Oh tomber. putain! Ça fait du son, oui, par là. Ah ouais, mais ah mais c'est la télécommande qui fait du son? Ouais, Mais en fait, ça fait un là, sacré je vise son. le R2 avec ici, et puis le son sort d'ici. Puis j'ai Je me juste deux petits boutons. D'accord, je me disais aussi pour un petit truc qui fait un sacré bordel le machin, hein. Mais non, c'est un. Ouais. Ah, c'est Donc il y en génial a ça. un juste pour faire avancer, et C'est il y en a un vrai. pour faire reculer en le faisant tourner. Ah, il recule en tournant. Tu peux pas le faire tourner sur Ouais. lui-même ou quoi que ce soit. Non, non. La seule façon pour le faire tourner, c'est reculer. D'accord. Mais c'est génial, Donc c'est c'est un génial. petit délire, voilà, que mon père m'a ramené. Voilà. Ah bah Il y a c'est des gens. génial. Tu vois, c'est des petits éléments de la collection comme ça qui sont Ouais, originaux, mais qui donnent des sourires. franchement, le sabre, il est assez propre, hein, franchement. En plus, ouais. C'est pour le fils de Yoda, ça. Avant de passer au gros truc, quelques petits machins. Alors le gros truc que tu dis, ce sera en tout dernier? Enfin, non, ouais, ça sera vraiment un tout dernier. D'accord. Le mieux pour la fin. Comme ça, les gens ne quitteront pas la vidéo. Ou ils vont skipper. Ou alors ils vont à la fin. Ouais, non, en fait, ce sera en plein milieu. On sait pas en fait. Alors maintenant, les ustensiles de cuisine. Luke. Oh yeah, attends. Avec sabre Dark Vador avec un très long sabre laser. Je me demande, attends, est-ce que j'ai. Non, c'est pas celui-là que j'ai. Non. Et Ah, il fallait qu'il fasse tout le tour de la tasse. Ah, du plasma. mug. Ah, classe. Eh bien, attends, mais la matière, elle est. Parce qu'on dirait que la C'est un matière, vrai mug. on dirait du fer, on dirait du. C'est bien fait. Et évidemment, avec quoi on boit dedans? On boit avec du cidre Star Wars. Non. Et si ça C'est existe? véridique? Non, putain. Ouais. Ah, moi Ça, j'ai vu des bouteilles à peu c'est à près la fois. similaires. Mais c'était des bouteilles de Volvic, ils s'étaient fait un délire avec des Ouais, persos j'ai vu de. ça. Je J'ai voulais presque mélangé. en acheter, mais j'ai fait non quand même. Et ça, ouais, bon, c'est un goût de pomme pétillant. Un D'accord. peu pour tout. C'est sympa. Et est-ce que vous prenez le risque du coup de boire dans ces mugs? Oui. Vous en avez jamais Non. cassé? Non. Non. C'est pas le genre de truc qu'on met dans nos vitrines, ça. Ouais, mais bon, c'est fait pour être utilisé, remarque donc. Ouais, bah oui. Et tes deux parents sont fans? Ma mère ne l'était pas. Mon père et moi, on l'a attirée Ah, du vers ce côté. fanatisme. Mais elle, par contre, ce qu'elle aime, c'est pas les scènes d'action et tout comme nous on aime. Elle, il y a vraiment un truc qu'elle adore dans Star Wars, c'est le côté philosophique et tout. C'est bien, j'aime bien ta maman. Voilà. Nous, je dis pas qu'on n'aime pas, parce que voilà, Oui. on a regardé des documentaires et tout, on sait à peu près tout. Mais, enfin, tout, non, pas tout. Non mais Mais au voilà, moins elle quand même. adore ce côté philosophique, ou, surtout le 3, ou quand Anakin il bascule hein, du côté obscur. Ouais, non mais ça m'étonne pas, c'est bien ça. Et c'est là où on voit que Ouais. justement les Star Wars c'est pas que de l'action, c'est aussi un peu de la réflexion. Et Après c'est c'est. d'ailleurs pour ça qu'elle Oui. n'a pas trop apprécié le 7. C'est Parce exactement que ce que j'allais moi, dire. cette chose, cette étincelle. C'est exactement ce que je veux dire. Malgré tout, moi, comme j'ai dit dans une vidéo très récente, enfin très récente à l'époque où on fait la vidéo, je vais pas m'y faire là, ça, enfin, ok. Ils étaient presque obligés, j'ai envie de dire. Mais bon. On en a eu quand même un peu Ils ont de. essayé d'en mettre. Oui. Moi, j'en compte deux. Entre Han Solo qui dit ouais, les Jedi ne Tout sont pas était des vrai. nuls, tout est vrai. Et Maskanata qui dit la force, ressent la force autour de C'est toi. vrai. Après, bon, c'est déjà pas mal. Peut-être qu'il y en aura plus dans l'8 avec Luke qui va lui apprendre C'est ce que je me à dis. Je me respirer. dis que le 7, c'est un épisode de transition, qu'ils ont fait des liens en faisant des trucs qui sont liés et en même temps nouveaux, et que là, ils vont vraiment partir sur du nouveau. Ouais. Voilà. On Ouais, verra comme tu bien. disais, ils mettent une transition, ils mettent des choses qu'on a déjà vues tout en créant de nouveaux personnages et Ouais, c'est ce tout. que je pense. Ouais.
En tout cas. Comme ça plaît à tout le monde. Ouais. Alors après, attends, faut pas que l'objectif soit seulement de plaire à tout le monde, mais aussi comme ça fait découvrir ça aux gosses, ils deviennent fans eux aussi, et après, comme ça, Disney emmène tout le monde du même côté, dans le même paquet sur la suite, et je trouve ça. Je Ouais. trouve, à Sur les bien y cadeaux. réfléchir, ouais. Oui aussi. Mais à bien y réfléchir, moi je trouve que c'est presque du coup de génie. Même si c'est du marketing quelque part, c'est aussi du coup de génie, ça a bien été fait. Et puis, faut savoir que les Star Wars, ils sortent toujours un peu avant Noël, hein. En décembre, un peu avant Noël. Donc, Ah oui, alors que exp... Rogue One à la base devait sortir au milieu de cette année, je crois. peut-être. Ouais. Ou le 8 devait sortir au milieu de l'année 2017, et comme ça a peut-être super bien marché pour le 7 vers les fins d'année, ils ont décidé de tout décaler à la fin de l'année. Ce qui fait que ça a fait chier Avatar, je crois qu'il y a du qui s'est décalé aussi. Enfin, bon, c'est un truc de fou. Quelques livres que Ah, j'ai. des bouquins, bibliothèque de Un Vorlon. truc que sûrement pas beaucoup de gens en a. Ah. Truc qu'on m'a offert. Qu'est-ce que C'est en c'est? fait plein d'images. Ou alors attends, faut vraiment pas qu'il y ait de Ah, replay. je me Sinon. vois dans le reflet. Coucou. Ah merde. Tu vois pas là ce qu'il y a au milieu? Ah, difficilement. Approche-le, Ok. approche-le de la caméra. Je vois déjà C'est Dark mieux. Vador contre Luke. Ah, ça y est, je vois. J'essayais de m'imaginer une tête, un casque, mais non, non, ça y est, je vois. Et Ah, en fait, bien, bien, alors, bien. je sais pas si on va voir, mais Ça si on bouge. bouge, ça bouge, ouais. Ah, génial. Je sais pas si Ben vous le non, voyez. on voit mal. C'est dommage. C'est dommage. Bon, je vais essayer avec une autre. Ou alors ça, c'est Obi-Wan contre Maul, ça, ou Qui-Gon. Ouais, c'est Obi-Wan. Et puis à Ouais. chaque fois, il y a une citation. Là, c'est marqué par exemple. Vas-y. Enfin, nous nous révélerons aux Jedi. Enfin, nous aurons notre vengeance. Dark Maul. Ah oui, il est écrit en rouge, ouais, j'aurais pu me douter que c'était lui. Ouais. Ah, ça, c'est génial aussi. Le 2, Ah dans l'arène. oui. C'est quoi la citation? Pas de panique, concentre-toi, Obi-Wan. Non. Tu peux pas paniquer avec un truc comme ça devant toi. Non, Non, faut manque à rester peine. calme. Oui. Oh, ça, c'est les petits droïdes. Ouais, je vois, ouais. Avec, nous sommes faits pour souffrir, voilà notre lot, C3PO. Le défaitiste. Ouais. Le pire défaitiste. Et, mais c'est dommage parce que tu vois, avec la qualité, je suis sûr que je profite pas. Ah tiens, je l'ai bien vu marcher là, le TBTT. Oh la vache. Mais ouais, je suis sûr Faut que qu'avec je la bouge la caméra, page. je profite pas de la vraie qualité là. Je suis sûr que ça doit être Ouais. beaucoup plus joli que ça. Ouais. En tout cas, on voit un peu bouger quand même. Là, on a vu. Ouais, la main, on la voit bien bouger là. Obi-Wan ne t'a jamais dit ce qui est arrivé à ton père. Ouais, il m'en a dit assez, il m'a dit que c'est vous qui l'avez tué. Non, je suis ton père. Non! Rejoins Optique 2000. Ah non, merde! Atoll! C'est Oula, Faucon ça, non? c'est Attends, j'ai du mal difficile. à voir. Ah non, c'est quoi? Et la destruction de l'étoile noire, le Ah oui, il Faucon faut qu'on qui. qui part. Yes. Voilà, Ah, donc c'est je ne sais sympa. absolument pas où on peut trouver ceci. Ça a été un cadeau. Eh bah, comme quoi, bah, c'est unique alors, hein, écoute. Ouais. Après, quelque chose que tu as déjà vu. Ah, le truc que tu voulais montrer, Shovel absolument. Twitch et Taille. Ouais. Yes. Avec l'intervention de tous les acteurs qu'on peut voir ici, si j'arrive à cadrer. Ah, ils ont Mais... tous. Ils ont tous participé, Oula, chacun leur attends, il y a tour. même Ahsoka. Attends, il y en a un qui va être Ah content. là Il là, va il te y en a, il va demander acheter ça de juste. le couper, là. Il faut que tu lui donnes. Ouais, il va acheter juste pour ça. Donc voilà, donc comme Vincent l'a dit, tu apprends énormément de choses. Les formes de combat, les techniques de combat, les quelques créatures bizarres, le code des Jedi, c'est D'accord. vraiment. Et donc t'as des. Il y a des citations à chaque fois de. Tu vois, des acteurs qui rajoutent. Ah oui, des petites notes. Ouais, voilà. Chacun son tour. Et puis des fois ils parlent même entre eux, donc c'est drôle. Voilà. Et au dernier livre. Alors celui-là, il est vraiment ouf. Star Wars Ultimate Ultimate. Star Wars. C'est Personnages et vraiment créatures, jeux, technologies, véhicules. véhicule. Ouais, je vais te montrer. Regarde ça. Comment c'est énorme. Ah ouais, c'est bien épais. Il y a de la Ouais. matière. Ouais. Et alors ça, c'est vraiment le truc de fan. Si vous voulez tout savoir, c'est incroyable. Il y a Il te vraiment raconte tous les quelque anecdotes chose. des films.
Ouais, après, c'est pas énormément basé coulisses. Bon, là, par exemple, c'est un mauvais exemple, hein. Ah ouais, Mais... c'est ce que j'étais en train de me demander. Je me disais, est-ce que ça fait pas un peu trop bateau, documentaire, ou est-ce que tu apprends Non. vraiment des bonnes Là, choses? t'as un genre de petit sommaire, comment ça se passe. D'accord. Tac, je vais te montrer quelques pages. Avec, voilà, en bleu, là, c'est par exemple la trilogie 4, 5, 6. Là, Obi-Wan Kenobi, ce Yes. personnage, comment il a commencé, tout ce qu'il fait à peu près dans l'ordre chronologique du film. D'accord. Mais toutes ces informations sont officielles. Enfin, je veux dire, Oui, c'est. oui, oui. D'accord. Ah bah tiens, il y a même... Non, je vais pas montrer ça. Je vais te montrer Qui-Gon parce que je vais pas spoiler ceux qui n'ont pas vu Clone Wars. D'accord. Et Eh bah, voilà, tu vois, ça, comme quoi, ouais, personnage. peut-être que Ah certains, je ça, me le procure franchement, aussi. ouais. T'as énormément de personnages, il y en a qu'on a même jamais vu, mais il faut D'accord. savoir qu'ils sont là. Mais c'est là où j'ai du mal. Comment est-ce que tu peux dire qu'ils existent, sachant que tu les vois pas dans les films? Bah, si tu fais attention, Ah, tu peux les il te voir. marque. De toute façon, regarde. Ça, non, ça c'est un mauvais exemple, c'est Clone Wars. Ça, c'est encore Clone Wars. Bon, faut s'y connaître dans Clone Wars Oui, aussi, voilà. apparemment. Là, donc, tu as plein de personnages. Lui, l'Amiral Akbar. Et il te marque donc, son nom, sa profession, sa race et tout. Et il te marque à chaque fois apparition, avec quel épisode, dans quel épisode il est. Ok, donc même ceux que tu connais pas trop, ils sont au moins apparus une fois à Ouais. l'écran. Ah bon bah Ouais. d'accord, là ok, on est ok. Et Bon, c'est regarde. bien. Ça, tu connais ça? Attends, arrête de bouger. Bah oui, c'est Oui. Attends. Oui, c'est cela. C'est bien. Attends, que je dise pas de L'autre. conneries, c'est bien rebelle. Oui, Oui, c'est si. rebelle. Ah, c'est ça. Je me disais aussi. Donc, ils D'accord. sont assez complets, hein. Mais Franchement. attends, mais. Attends. S'il y a rebelle. Ça veut dire que c'est sorti quand ça? C'est vraiment récent. Oh mais c'est récent en plus, putain, mais Ouais, ouais. génial. Regarde ça. Quel chic. Franchement, c'est magnifique. Ils te Oula, mettent des ouais. images, ils te positionnent tout. Et t'as tout lu? Non. Mais ça m'étonne pas, Je vas-y. fais petit à petit. Ils te présentent les armes et tout. Là là, faut que je me le prenne ça. Surtout qu'en plus c'est récent, alors là ça me motive encore plus. Si c'était un peu vieux, je me dirais il y a des trucs qui doivent être dépassés, mais. Et donc ça, c'est la partie véhicule. Hein. Tu vois des vaisseaux, tu fais, mais c'est quoi ce truc-là? J'ai jamais vu Putain, ça. ouais. Ouais, c'est génial. Franchement, c'est. Bah, c'est une encyclopédie Star Wars en Ouais, fait. c'est ça. Mais ils te trouvent des photos, mais ils choisissent vraiment bien. Tu vois qu'ils ont dû passer énormément de temps. Ah ouais. Et puis comme il les intègre aussi sur les pages, c'est Ouais. vachement bien fait. Je crois que c'est lui qui a en grande partie l'acteur, là, c'est 3PO, ici, Ouais. qui a réalisé cette œuvre magnifique. Ah, d'accord. En C'est pour grande ça qu'on le voit en partie. premier, quoi. Voilà. Je recommande pour tous les fans. Eh ben, c'est sympa parce que je pense que enfin ceux qui l'ont pas vont être vachement intéressés, dont Ouais. moi. Je ne sais pas où tu peux le trouver par contre. Oh Mais je bah pense sur Internet, exact. Amazon par exemple. Exactement, c'est ce à quoi je pensais. Ouais, alors maintenant, c'est des choses que j'ai obtenues dès mon plus jeune âge, transmises par mon père et puis d'autres. Ah. C'est en fait des figurines que j'ai achetées, que j'ai jouées quand j'étais gosse avec mes amis, mes cousins et tout. Voilà, des petits trucs pour femmes. Et est-ce que ça a été bien conservé? Alors, Petite apparemment oui. aperçu de loin. Putain, attends, mais c'est quoi ce gros engin là? Ah oui, oulala. Je vais peut-être confondre, mais je crois que ça s'appelle STTT. D'accord. Voilà, je peux faire un plan. Alors là, par contre, je vois plus ce que je filme. C'est pas grave, moi je vois Tac. assez. Mais ouais, ça pixelise pas mal. Faudrait presque aller vraiment tout doucement. Voilà, ah ouais, c'est pas mal. Là, on voit bien. Tac. Ça, c'est une belle famille, hein. Ouais. Et comment ça s'est. Enfin, tu sais. Ah putain, avec ces 3PO et R2 derrière. Bon, Ah ouais, mais il y a après, c'est vraiment tout tout le monde doucement. là. Grievous, Il y a Clone Wars Vador. aussi. Voilà, Mais pour la avec plupart, par le exemple, bon. les Stormtroopers, ils ont été vendus ensemble ou alors des fois ça a été acheté séparément Ah non, pour. non, il n'y a rien qui a été vendu ensemble, moi, je crois. D'accord. Peut-être l'STTT avec quelques clones.
Mais il y en a qui ont été achetés et qui étaient similaires pour faire, par exemple, les Stormtroopers, ouais, pour faire genre armée. Ouais, par exemple, là, il y en a 3-4 qui étaient ensemble. Les ça a l'air d'être de. Trois qui étaient ensemble, ouais. D'accord. Mais ça a l'air d'être de bonne qualité en tout cas. Hein. Ouais, bah. Vas-y, tu peux en prendre un pour montrer. Ouais, alors je vais pas en prendre un défoncé. Ah, petit clone. Donc articulé de partout. Hein. Donc articulé, ouais. Pète-le pas. C'est son blaster. D'accord. Inconnu. Là qui est pas mal. Yeah. Il avait une version à 4 bras où il faut retirer les bras pour en mettre l'autre. Oui. Mais je ne sais pas du tout où c'est. D'accord. Voilà. Après, ouais, bon, le STTT, c'est vraiment un engin de, pour jouer. Hein. T'as des missiles, là, tu peux tout faire tirer. Là, à l'intérieur, ça s'ouvre. Ah ouais. Mais encore, enfin après, je sais pas si c'est parce que je le vois comme ça de loin, mais il fait pas tant jouet que ça. Je veux dire, ça fait, il se marie bien avec le reste. Ouais, c'est pour ça que vraiment j'essaie de le garder le plus intact possible. Ah bah oui. Là, faut qu'on voit. Si j'appuie sur ce bouton. Oula, oula. Ouais, il a carrément. Un coffre. T'as qu'il s'ouvre tout seul et tout, putain. C'est de classe. Voilà. Après, ouais, c'est assez chaud aussi pour essayer de le tenir debout parce qu'il a, donc il a 6 pattes. Et toutes les pattes, tu peux les retirer et retirer les pieds. D'accord. Donc à chaque fois, il faut essayer de reconfigurer tout. Donc là-dessus, heureusement, j'ai perdu une patte. Et ça, est-ce que c'est, enfin, ça reste dans ta chambre, c'est exposé quelque part dans la maison, ou est-ce qu'en fait ton père t'a tout légué en quelque sorte? Bah mon père, il va en avoir 5 de tout ça, 5 figurines. D'accord. Et puis le STTT, ouais, il est exposé parce que ouais, c'est quand même un bel objet. Ouais. Il y a d'autres figurines que je mets dans une vitrine. Mais sinon, ouais, la plupart des choses, c'est rangé dans un tiroir, quoi. D'accord. Je l'ai ressorti exceptionnellement. Voilà. Et après, ça appartient à une personne en particulier. Je veux dire, c'est pas ton père qui te les a légués ou quoi que ce soit. Non, c'est pas. D'accord. Non, c'est depuis que je suis gosse que j'ai ça. D'accord. Ah bah, c'est une belle famille, là. Et ouais, on y en a passé du temps. Je suis... Ah, tu m'étonnes. Ça rappelle des beaux souvenirs. Ah bah oui. Voilà. Maintenant, à partir de là, ça va monter crescendo. Oula, parce que là on était encore bas là. Ah là c'est les figurines de gosse là. Oula. Je vais montrer déjà avant de partir dans les autres figurines. L'affiche. Ah ouais, l'affiche. Je attends. Est-ce que tu as pris l'affiche avant la sortie du film? Bah oui, je suppose que oui. Oui, oui, oui. Je suppose que t'étais là tous les soirs en train de prier devant. Ah mais je viens de la mettre là en fait. Ah d'accord. Je vais me mettre à côté pour que tu vois la taille quand même, parce que c'est pas un petit peu... Oui, mais même de là, j'ai l'impression qu'il va falloir un sacré cadre. Ouais, je vais me mettre à côté. Vas-y. Oh putain. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Ah, il a une de ses tailles, le machin. Voilà, c'est quand même immense. Ah purée, moi j'ai été assez naïf de croire que c'était juste au-dessus du lit, que c'était à peu près de la taille, ouais. C'est vraiment une affiche de film, hein. C'est même plus un poster, hein. C'est une affiche de film. Putain ouais, un truc qu'ils affichent au cinéma quoi. Ouais, ouais, bah c'est un pote à mon père qui travaille dans le cinéma, qui en a pris un petit. Ah génial. Et ça, comment tu le ressentais quand t'avais ce poster là et que tu voyais l'affiche avant d'avoir vu le film? Je suppose t'espérais plein de choses, tu... Ça fait rêver. Dire, on l'a eu après le film. D'accord. Donc voilà. Par contre, ouais, quand on l'a reçu, ouais, on était fous. Bah ouais. Wow, c'est immense. C'est tout. Bah c'est, putain, la taille du truc. Un beau cadre. Franchement, là, sympa. Pour un mur entier. Là là, ouais. Ouh là là. Attends, est-ce c'est que un... tu vois bien? Ouais, ça va. Je vois le Boba Fett, le chibi. Attends, c'est pas il Boba s'appelle Fett. Boba Fett. Si. Si. Et en fait, c'est un petit... il a un saladier, tu peux mettre à manger dedans pour grignoter. Donc c'est un chibi Boba Fett. Ouais. Trop classe. Voilà, c'est... Eh, il manquerait plus qu'il soit télécommandé, qu'il marche et qu'il t'amène les trucs, tu sais. Ouais, c'est ça. Et ça, genre, mais vous l'avez dans la cuisine, vous mettez les frites. Dedans.
Ouais, on met ça dans notre chambre. Si on invite des amis, on met des chips dedans. Et voilà, tout le monde se sert. Génial. Ouais, tu disais, excuse-moi. Il disait, il y a plein de casques, juste le casque qui se vend, que tu peux accrocher au mur et qui s'allume. Par exemple, les yeux que tu peux allumer Ah bon? et qui s'imprègnent dans le mur et qui font un effet comme s'ils sortaient du mur, en fait. D'accord. J'espère que je vais pas spoiler d'autres collectionneurs qui font « Oh non, pourquoi tu lui as dit Ah, ça existe des spoils de collection? Je savais ça pas. peut-être, ouais. Ouh là là! Oh, mais Voilà. ils sont de la Ils taille de sont grands. Yoda. Alors attends, je vais essayer de bien poser ça parce que là je le Ouais. porte. Eh ben, ouais, il Hop. faudrait juste le décaler et puis ce serait parfait. Encore, Voilà. encore un peu. Voilà, nickel, parfait. Putain, ils sont super classe. Je parie que Et c'est ils sont. fine. C'est vraiment grand. Maintenant, tu vois, je peux plus voir un Stormtrooper comme ça sans penser qu'il y a Finn derrière. C'est marrant. Hein. Ah Non, ouais, mais ce qu'ils ont c'est une réussi partie à du faire top avec 7. Star Wars 7, c'est à humaniser un petit peu le Stormtrooper. Ouais. T'as le Kylo Ouais. Ren, oh, il a vraiment la classe. Hein. Bon après, ils sont pas hyper articulés, hein, c'est juste les bras que tu peux bouger comme ça. Alors, je dirais juste un tout petit bémol. Tu vois, pourtant, je suis pas un critique de figurines. Mais je dirais que Ouais, mais il est vas-y. nickel, mais enfin, le sabre fait juste un tout petit peu jouet par rapport à lui. Je sais que t'allais dire ça. Mais je Ah. trouve aussi. Il est un peu trop fin en fait, je Ouais, il trouve. faudrait qu'il fasse plus triangulaire en fait au niveau des axes des extrémités et qu'il soit plus épais. Ah mais de toute façon, je vais prendre celui de Vincent puis je vais le mettre ici. Ouais, mais voilà, très bonne idée. Bon, je sais pas s'il voudra te le passer, mais Vous vous arrangez entre vous. Stormtrooper, pareil, juste articulé comme ça. D'accord. Mais bon, toi, ça c'est le genre de choses que tu poses dans ta chambre et tu touches plus. Bah C'est oui, parfait mais pour d'ailleurs, c'est ce Noël. que j'allais te demander. Ça se conserve bien, ça va, ça. Ouais, franchement, Ah, c'est c'est pas des mal. choses qu'on a achetées dans une exposition. Donc, D'accord. on a bien vu avant. De toute façon, ils te font tout exposer. Ils te parlent un peu de la qualité, tout ça. Et Puis, ça. ouais, c'est des gens sympas. Donc, si c'est Ouais. moche, tu peux aller les voir. Mais et ça, t'es pas obligé de me le dire, mais je suppose que ça doit coûter assez cher. Bah, pas tant que ça en fait. Pas C'est tant que vrai? ça. Peut-être la matière, ça Ouais, fait que c'est. c'est un Bah. peu. La matière est pas très. Non, bah non, non, c'est pas beaucoup de détails. Hein. D'accord. C'est pas hyper précis. C'est un objet, ouais, tu poses comme ça. C'est pas cher, mais assez grand. Voilà, c'est propre. D'accord. Non mais en tout C'est cas, pas très cher. mais ça rend bien, hein. Je veux dire, c'est suffisant Ouais. pour une expo, c'est bien cool. Ah ouais, t'as même Ouais. la tête et tout. Et Et Kylo ça, tu te l'es procuré Ren. après la sortie du set, ça. Ouais, dans une petite exposition. Parce Ouais. que, ouais, à côté de chez moi, il y a une ville, Mygène. Chaque année, ils font peut-être trois expositions Star Wars. Et ils vendent plein de choses. Des fois, c'est aussi mélangé avec Marvel. Et ils vendent plein de choses. Et puis, de temps en temps, il y a des acteurs qui viennent. Enfin, Putain. des acteurs de Stormtrooper, hein, tu les connais pas. Ah, Il d'accord. y avait le réalisateur du 5 qui est venu, je sais plus son nom. Et puis, il y avait même le vrai R2 du 1, 2, 3. Putain, Le vrai génial R2 ça. qui est venu. Donc c'est quand même une expo qui est assez connue alors. Ouais. Et je Ils font remarque un truc. défiler dans la rue. Ah ouais, aussi. C'est pour ça, nous, maintenant, on a nos costumes, on va y aller, hein. Putain, ouais. Ça, c'est bien, ça. Moi, il faudrait que. Je me suis jamais mis au cosplay de quoi que ce soit, mais il faudrait que je vois un peu les costumes qui existent. Et Il puis, doit en tu, exister en des plus, tu te sympas. balades dedans. Quand tu te balades dedans, bah, il y a plein de gens qui sont déguisés. Donc, tu as un Chewbacca qui passe, des Stormtroopers qui passent, il y a des Twi'leks qui passent, des Jedi. Tu dois te Voilà, croire c'est un peu vachement. dans Star Wars, en fait. C'est vachement bien. C'est le recueil des fans. Mais ça, c'est génial, ça. Ouais. C'est une espèce de cantina à ciel ouvert. Et ça coûte 2 euros. Donc, je peux dire, c'est C'est tout. génial. Putain. Et tu peux y rester toute la journée. Oh, Ils te font un tampon, tu sors, tu rentres quand tu veux. c'est nickel, ça. C'est Franchement génial. sympa.
Et dis-moi, les Stormtroopers de Star Wars 7, ils sont un peu différents des autres Stormtroopers? Ou pas? Bah, à chaque fois, en fonction des Star Wars, c'est surtout le casque qui change. C'est ce que je remarque, Donc, oui. Parce que c'est je crois pas montré avec les qu'ils aient cette ligne soldats. noire en dessous des yeux, ou alors elle est différente. Ah non. Ça, c'est le 1, 2, 3. Oui, alors ça, ok. Avec la tête. Mais ça, on n'appelle pas ça Ça. des. On n'appelle pas ça autrement? Des clones, justement? Ouais, des clones troopers, ouais. D'accord. Ça, c'est les Stormtroopers. Ah oui, voilà, ils sont bien différents, ouais. Et là, t'as la ligne à rajouter, là. Je dirais même que ceux de Star Wars 7, ils sont plus soft. Ceux Ouais. de la trilogie originale, ils ont un gros casque, je trouve. Ouais, ça humanoïse. Ouais. Maintenant, ma vitrine. Oh, la J'ai une vitrine. vitrine avec quelques collections. Je suppose que Je vais si t'y as pas sorti monter. de la vitrine, c'est que ça doit avoir de la valeur et ça doit être sympa. Hop, tu vois. Ouais, alors là, je vois Hulk. Ouais. Avec un petit Jango Fett à côté. Ah ouais. Édition très très limitée parce que c'est que des matériaux de récupération. Ah, c'est Un rare. truc ramené de Chine. Oula. Bon. Le Boba Fett, le Jango Fett. Ah ouais. Tac, Classe. il tourne la tête. Donc si je Et comprends alors, bien, je sais pas c'est si un on va voir, Django c'est que recyclé, c'est un Django bio. de la... Ouais, c'est ça. C'est des tournevis, regarde Ah les mais plans. carrément! Oh, putain. Ah ouais. C'est des tournevis. Regarde le pied. Ah mais Ah d'accord. Ah mais j'ai cru que c'était carrément des trucs refaits, mais en fait non, c'est des trucs non, assemblés c'est... des qui Ouais, existent et qui qui a ont été été soudé entre eux. Oh, ah ouais. Le Pouah. jetpack. Et ça c'est unique alors aussi. Ouais, ça c'est unique. Que vois-tu? Oh, je vois un certain petit R2-D2. Je vais ouvrir, ce sera mieux, je pense. Ouais. C'est un R2 avec un lecteur cassette à l'intérieur. Énorme. C'est très très vieux. Là. Ici, on met les cassettes. Donc ça marche plus du tout, hein. C'est hyper vieux. Mais tu veux dire que c'était Mais quoi? Mais c'était un projecteur, enfin. Ben non. non, Qu'est-ce qu'ils aient? c'était un. C'était un Ça, c'est un magnétoscope. monteur. Ah non, c'était un range cassette. Ouais. D'accord. Mais je vois Voilà. play, t'as des boutons play, machin et tout. Ouais, en dessous. D'accord. Même sur le côté, enfin j'en avais vu sur le côté des boutons. Jamais su à ça servait, ça. Enfin, j'ai jamais utilisé parce que. Ouais, là. D'accord. Voilà. Pur truc vieux, mais assez beau. Ouais, le volume là. Ah oui. Ah, et tu vois, avec le truc pour mettre un écouteur dedans. D'accord, donc tu Voilà, peux l'éteindre c'est là. des choses vieilles, mais ça se conserve. C'est pas mal, donc c'est assez beau. Ouais, et puis ça te fait un petit R2D2, c'est sympa. Ouais, voilà. Classe. Alors, à côté, c'est un vaisseau. Alors, celui-là, je ne sais pas dans quel film il est. Peut-être, Ah ouais. Peut-être plus la prélogie, non? ouais. Vitrine du haut. Ouh là là, ah oui, je crois savoir ce que c'est ça là-haut. Vaisseau d'Obi-Wan. Ça, c'est très bizarre. C'est si tu veux, c'est pour faire des tirs. À la base, il y avait des missiles ici. T'appuyais, ça partait. D'accord. Mais ça Ah, tu ressemble plus à pouvais. une épée, en fait, quand tu l'enlèves. Ah oui, c'est ce que je vois. Et comme je disais, Le ouais, là, couteau qui va dedans, avec. c'est une figurine dedans. Ouais, j'ai mis un petit Obi-Wan. Ah, mais c'est toi qui l'as mis. Ouais. Ah, ok. Ouais, je dois avoir 5 ou 6 Obi-Wan. Et ça, le truc derrière, c'est pas ce qui leur permet de passer En En hyperespace, ouais. hyperespace, ouais. C'est ça. J'ai jamais bien vraiment compris ce que c'était en fait. Comment est-ce que ça pouvait. Si ça a des réacteurs en plus, c'est ça? Ouais, il y a un énorme réacteur sur le D'accord. côté. Ah ouais. Donc, Ah oui, mais tous il les vaisseaux s'assemble avec. ont un espace, donc ils ont des petits trucs comme ça. Ah. Ça, c'est dans Star Wars 3 où tu vois ça. Quand il se rend pour aller affronter Grievous. D'accord. Voilà. Ouais, ça fait des sacrés engins, quoi. Mais c'est bien, ça fait beau dans une vitrine. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a un buste.
de Stormtrooper, le buste. Simple buste. Très très simple, hein. Pas beaucoup de détails, mais pas très cher du coup. Et c'est une D'accord. tirelire en fait. Ah oui. Et c'est bizarre le casque, je le trouve assez ovale. Ça fait un peu œuf, non? Ça fait bizarre. Ouais, il a une crête en plus. Je sais pas Ouais. ça entre lequel et lequel, celui-là. D'accord. Non, je De toute pense qu'il façon, je pense que n'existe c'est pas. toujours dans la période clone. Par contre, celui d'après, celui à côté, c'est un casque de Stormtrooper, ça. Ouais, ça on voit bien. Ouais. Il fait la Ouais, bob. ça y est, pas de doute là-dessus. Putain, il est Pareil, vraiment toujours classe. une Ah ouais. tirelire. Même pour une tirelire, c'est classe. Mais ça se voit même pas de toute façon. Donc. Bah non, c'est ça le truc. Moi, tu me Et donc, surprends à me dire que c'est des c'est petites grand, tirelires. c'est pas cher. Et puis ça fait, Ça, je crois que ça a ouais. dû coûter 10 euros, ça. Ah ouais. Et Et pourtant, quand tu ça vois ça, t'as anime l'impression beaucoup que ça le. t'a coûté. Ouais. Parce que quand tu vois, par exemple, Mais là, il y a à pas la beaucoup Japan Expo, des trucs comme ça, des petites figurines qui coûtent des centaines d'euros, tu te dis, putain, ça à côté, ça doit coûter 150, 200 euros. Et puis en fait, non. Mais non, pas du tout. Et Ah, on va Vador. rien voir là. Ouais, Si, tu vois. ça fait des petits. Ah, je me suis vu dedans. Parce qu'en C'était fait, sympa. je vais retirer parce qu'il a une boîte. Ouais. C'est Vador, hein, il a le droit à Ah, une là, on boîte. le voit bien mieux briller, là. Oula. Alors, étage d'après. Oh, Est-ce que des tu chibis. vois? Ouais, Qu'est-ce alors, que tu je vois? vois. Je vois Phasma. Je vois Boba. Je vois Chewbacca. Je vois. Alors, c'est quoi comme créature, ça, le petit qui était à Alors, côté de je vais te Phasma? montrer un par un. Ouais. Ça a un pop, Ah Captain oui! Phasma. Voilà, simple. Donc, D'accord. j'aime pas trop moi le fait qu'il bouge la tête, hein. Mais bon, quand tu le mets dans la vitrine, il bouge plus, donc Oui. c'est pas grave. C'est un truc que tu mets genre à l'arrière de la voiture comme les chiens qui faisaient comme ça Ouais. sur les plages arrière. Ouais, puis voilà, avec le ressort qui fait bouger la tête, ça fait un peu enfant, un peu jouet. Ouais, mais bon. Mais quand ça bouge pas, voilà, c'est sympa, ça C'est ça, fait. comme tu dis, quand c'est posé, c'est bien. Et ça, Ouais. c'est. Je sais plus Donc, comment ça s'appelle, c'est des. c'est un homme de sable. Un Tusken, Un je crois. Toscan, c'est ça. Donc, j'en ai que deux. Il y a BB-8 qui n'est pas encore arrivé. Ah. Ça coûte entre 10 et 15 euros. D'accord. Ça, c'est correct. Ça, c'est des bonbons qu'on m'a achetés et que je ne mangerai jamais. Ah, sérieux? Sont deux sabres laser en Génial. porte-clés. Putain, des bonbons porte-clés. Sabre laser. C'est des Classe. sucettes en fait. Mais bon. D'accord. Après, ce qu'il y a derrière, voilà, ça commence à être de vraies petites statuettes. Là, par exemple, un Boba Fett. Ah oui, il a un bon gros. Avec son socle et tout. Ouais. Ah, ça va bien les socles, hein, parce que putain, des fois, pour faire tenir ces machins. Ouais, puis là, il a les pieds aimantés dessus. Ah, d'accord, donc tu veux dire que tu peux l'enlever facilement? Ouais, tac. Ah, oh, super, putain, ça c'est Et après, cool. c'est bon. Ah, ça C'est c'est bien cool. pensé. Ouais. Ouais, tu vois, j'aurais pas imaginé. Ah ouais, il est classe. Il est très sympa. Et c'est pareil pour les deux autres, au niveau du socle? Non, les deux autres, c'est des statuettes que j'ai achetées à Mission Playfair, justement. D'accord. Celui-là Alors avec un attends. effet Ah oui, écho. parce que j'avais du mal à voir. Ah bien, oh putain. Là, il y a déjà du détail là. Hein. Ah ouais, les habits au Alors, vent et si vous tout. voyez, il n'y a pas de poussière dessus, hein, c'est justement fait exprès. D'accord. Bon, on pourrait croire, ouais, c'est vrai, mais non, non. C'est luisant, non, c'est classe. Voilà. Oh putain. Ça doit être de la Après, sacrée ça. matière, ça. Ouais, ça, c'est déjà un peu plus cher que. Ça, Ah oui. c'est plus cher que les deux statues Kylo Ren et Le Ami de Han Solo. Chewie. Chewbacca, avec toujours l'effet vent. Ah ouais, en plus avec ses poils. Ouais, ça Pouah, fait. ça fait super classe. Putain, il a une de ses gueules. Avec l'arme et tout. Là, si tu Bien. cherches de quelle direction va le vent, tu demandes à Chewbacca. C'est vrai que tu vois, t'as pas besoin de faire. Tu sais, ça vient d'où Ouais, voilà. Tu le regardes et puis ça suffit. C'est ça. Ah, franchement, c'est les deux Voilà. figurines là, même Voilà, celle de avec un Boba, vrai hein. socle. Super classe. Ah oui. Voilà. Super classe. Ouais, là, il y a du level, hein, comme tu disais là. Après, On il y en monte en a. gamme. Ça, c'est des trucs achetés à une exposition, donc il n'y a pas de boîte. C'est pas vendu avec. De toute D'accord. façon, tout ce que j'achète, je retire la boîte, comme par exemple les Phasma et les Tusken.
Ouais. Parce que voilà, j'ai une vitrine, donc ça sert à rien de mettre une boîte en plus. Ouais, après c'est plus encombrant qu'autre chose. Bah t'as une belle Voilà, donc ça, vitrine. c'était ma vitrine. J'ai des petits objets qu'on m'achète Ah oui, aussi. ah j'en ai vu il y a pas longtemps ça, j'ai dit putain. Voilà. C'est des pèses, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Dark Vador et RDD2. Ah c'est dommage, le R2 je l'aurais plus vu avec juste la tête et pas le corps, enfin un peu comme tout normalement. C'est Ouais, bizarre qu'ils là, l'ont fait c'est en vrai. entier. Et j'ai aussi un petit objet qui fait de la musique. Enfin, faut que je me cale toujours devant la lumière pour qu'on voit bien. C'est ça. Il va te faire Voilà ce que tananana. c'est. Qu'est-ce que c'est que Est-ce qu'on ça? en voit bien? J'ai du mal à voir ce que c'est quand même, hein. Donc, C'est une je boîte à vais tourner musique. ça. Et tu vas voir. Je vais essayer de bien me caler. Là, c'est assez flou ou pas? Ça va, Ça c'est pas va? mal, c'est pas mal. Donc, en fait, je vais tourner la manivelle. Il y a le Oui. gros cylindre là qui va tourner aussi. Oui. Et en fait, derrière, ça fait une sorte de piano où il y a des petits pics sur le cylindre. Ah oui, ça Et appuie sur les touches. voilà, c'est ça. Oh, génial. Enfin, ça les lève et du coup, quand les touches retombent, ça fait un son. Oui. Donc, j'y vais. Mais c'est pendant que tu tournes. Eh hey, mais Ouais, c'est long en fait. Moi je c'est pensais que vachement c'est. bien. Ça c'est super classe. Merci pour ce moment. Eh hey, franchement tu devrais C'était la rejoindre séquence la troupe émotion. de John Williams. Ah ouais, je serai là avec mon petit C'est truc. ce que j'allais dire. Je te vois bien au fond dans l'orchestre avec ton petit machin là. Ouais. Bah Ok écoute, John Williams, si tu regardes cette vidéo, top. ça m'intéresse. Je suppose que t'as un peu fait le tour. Ouais, je crois que c'est l'heure de Ah ça y est? descendre. Hein. Donc Oui. là, si j'ai bien compris, on en arrive à la dernière pièce, l'ultime pièce Ouais. de la collection. Alors là, rien. Non, je crois que c'est l'heure. Ouais, alors attends, il faut faire Donc, du roulement de tambour là, du. je vais descendre, je vais débrancher l'ordi, tout. Ouais. Tac. Donc voilà, j'y vais. Je vais dire à mes Allez. parents de pas faire de bruit. Ouais, allez, c'est parti. Je De vais toute façon, demander à mon père je ferai une s'il coupure. veut participer. Si, bah attends, parce que oui, enfin s'il veut nous Ok. le. Enfin s'il veut présenter le truc, ouais, c'est comme il veut. Je vais lui demander si ça l'intéresse. Ouais, comme tu veux, vas-y. Allez, à tout. Allô, allô? M'entends-tu? Je t'entends, je ne te vois pas par contre. Ouais. Alors ici, on n'a pas une très bonne connexion, donc je vais essayer de mettre la Ouais, vidéo. ce Tu vois? serait dommage qu'on puisse pas voir. Dans tous les cas, si ça marche pas, si c'est flou, on recommence, on va ailleurs. Ouais. Donc, mon père veut bien participer. Ah, génial. Salut! Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Ouais, ça va. T'as la forme? Très bien, ouais. Et vous avez un petit côté Marc-Camille. Marc C'est Amil, d'accord, très ok. gentil. Ouais, Si? d'accord. Non, non, on dirait que là, vous venez d'enlever la capuche, là. Ouais, d'accord, ok. Bah, je range le sabre laser et j'arrive. C'est ça. Bon, Bon, ouais, voilà, ça c'est Rick. c'est l'objet. Donc, c'est mon père qui l'a construit, hein, du début à la fin. Alors, de toute pièce, alors. Ouais. Donc, personne ne sait ce que c'est hein, pour Personne, l'instant. on n'a pas dit hein, ce que c'était, ouais. Tac, attention, je descends. Attention. Oh là là. Alors là, vous avez un truc. Je pense pas que Est-ce vous que ça enverrez dans va? d'autres. Enfin, même, c'est pas possible. Il a été totalement fait. Ah, il est unique, hein. Ah ouais. Voilà. Donc ça va, c'est pas trop flou. Ah bah là, tu sais quoi, je sais pas si la connexion elle s'est dit, attends là je vais être sympa, mais là elle est nickel, il n'y a pas un seul flou, on voit super bien, il brille, on le voit de là, alors là on le voit comme en vrai presque. Hein. Parfait. Bon bah je vais laisser mon père expliquer un peu les gadgets Elle qu'il est a. superbe. Ah bah ouais, moi je veux bien savoir, putain, en plus il y a des allumants un peu de partout là. En Ouais, il bouge fait, comme juste, ça. je te dis, de base, il s'est baladé dans Intermarché, il a trouvé un saladier et il s'est dit pourquoi pas en faire un R2D2. Mais bon, moi j'attends les anecdotes, hein, s'il y en a du coup, comment ça a été fait et tout, moi je veux bien écouter.
Bon alors, salut, bienvenue. Juste pour te dire, bon là c'est un saladier, d'accord. Ouais. Construit ça, c'est tout en métal et en plastique, Ouais. d'accord. À l'intérieur, donc j'ai mis 2-3 loupiottes, si tu veux, pour faire un petit peu, bah, comme R2 il est, quoi, Oui, comme d'accord. R2, ouais. Des loupiottes qui s'allument. Là, je sais pas si tu peux voir, mais on a un laser. Ça va pas trop vite. Si, 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 c'est ce que je vois justement. Je voyais cet allumant-là, je me demandais ce que c'était. Et En Je fait, vais tourner la caméra pour que attends, tu pas vois pour ce que l'instant, c'est. parce qu'il s'est coupé. En fait, il se déclenche quand il veut le truc. Donc, je vais tourner la Ah, caméra d'accord. pour que tu vois ce qu'il affiche. Voilà, regarde si tu veux, ça affiche des trucs de laser au mur. Ah, mais carrément! C'est un effet Waouh! discothèque. Oh purée, Voilà. tu peux le mettre si tu fais une soirée chez toi, tu peux le mettre. Tiens, il y a R2D2 qui met l'ambiance dans la maison. Ouais, c'est exactement ça. Là là. Voilà, alors après, si tu veux, là ici, j'ai fait un petit capteur. Il y a un petit truc qui s'ouvre, si tu veux. Je sais pas si tu Ouais. vois. Si, si, je vois Et bien, ouais. ici, on a un capteur. D'accord, là, je l'ai débranché. Quand tu passes devant, ça fait le bruit R2D2. Tu Ah, vois le d'accord. truc? Donc, Vas-y. c'est. Juste si on peut tourner un peu la caméra pour qu'on vous voit un peu avec le R2, parce que là. Voilà, super, parfait. Bon. Ouais. Donc là, si tu veux, je sais pas si tu vois, tu as une petite trappe qui s'ouvre. Ouais. D'accord? Et en fait, ici, c'est un capteur. D'accord. D'accord? Et quand tu passes devant, tu as R2 qui fait un bruit. Là, je l'ai débranché parce qu'on a un chien à la maison et ça nous gonflait au bout d'un moment. Et Ah puis, surtout oui. les piles. Et oui, c'est ce que je me D'accord? disais aussi, parce que là, pour les piles, pour le petit capteur rouge, là et tout, il faut pouvoir les changer, c'est pas trop compliqué. En fait, il est alimenté directement Ah. derrière. J'ai Ah. l'alimentation sur secteur derrière, je te montrerai le câble. D'accord. Alors, le but du jeu, c'est que ça soit pas juste un R2D2, parce que c'est bien d'être une jolie statue. Ça suffisait pas. Mais ce que j'ai fait avec Cédric, c'est qu'on a mis des enceintes, si tu veux, sur les côtés, ici, là. Ah, À une... chaque fois. Ici, ça a été percé, il y a des enceintes. Et en fait, Ouais. tu peux connecter ton portable qui est à Non. l'intérieur. D'accord, attends, bouge-toi. C'est très À lourd, ouais. l'intérieur, ça s'ouvre. Et à l'intérieur, tu as des enceintes. Tu as un kit Bluetooth. Et tu as un boomer. Et puis, bah, tu as le laser qui est là, tu vois. Bon. Ouais. D'accord? Je pense que tu veux pas que je démontre, que je fasse des tests par rapport au droit d'auteur, non? Ah ouais, faudrait peut-être éviter, ouais. C'est dommage. Mais bon, enfin En voilà tout cas, quoi. c'est une Bah chaîne IFI écoute, R2D2. ouais, je sais pas, fais écouter, peut-être je couperai au montage, mais moi ça m'intéresse d'écouter. Même moi, je couperai au montage, c'est pas grave, mais moi j'ai envie d'écouter quand même. Enfin, si tu peux faire le test, hein. Je vais chercher le portable. Ouais. Voilà, donc ça, tout ça, c'est en métal recouvert de plastique. Donc il y a trois couches de plastique découpées. D'accord. Et les pieds, en fait, ouah, les pieds, je sais pas si tu les vois, tu vois, Si, ils sont si. faits. C'est tout du, enfin, c'est du bois recouvert de métal et repeint complètement, quoi. D'accord. Ouais, donc vous êtes pas simplement contenté de faire un R2, enfin une statue comme vous disiez, c'est vous avez ajouté des Non, enceintes, des trucs. quelque chose, quoi. Ouais. Le but, c'est qu'il fasse quelque chose. D'accord. Et il roule? Il passe l'aspirateur, mais on n'a jamais réussi. Ah. Il est passé dessus. Ça aurait fait de la concurrence au robot plat dans les Ah, c'est maisons. ça. Donc, ouais, D'accord. c'est bon, je me connectais. Tu te mettras une note à partir de tel moment, il risque d'y avoir des droits d'auteur. Ouais, mais après ça dépend de la musique que tu mets. Mais si tu la laisses pas trop longtemps, ça va. J'étais connecté. Ouais. Je suis connecté. Bah, je vais pas mettre n'importe quelle musique. Hein. Ah bah oui. Et si tu la laisses pas trop longtemps, ça devrait aller. Crois que c'est les deux premières mesures qu'on a le droit. Ah Avant d'accord. les droits d'auteur. Ouais, stop, stop la musique. Ouais, parce que c'est vrai, c'est les premières mesures qu'on peut. Parce que je sais que quand j'avais fait mes autres vidéos où je faisais avec le début, à un moment j'avais laissé la musique un peu trop longtemps. Et là j'avais eu des atteintes aux droits d'auteur. Mais sinon, le début ça va, ouais, on peut. Putain, mais il a un sacré son. Voilà. Ouais, bah, si tu veux, tu as un boomer à l'intérieur et puis tu as deux Ouais. enceintes de tweeter sur les côtés. Donc Et en... on sent bien vibrer quoi quand avec le boomer.
En fait, si tu veux, j'ai découpé des... Là, ici, tu as des ouïes qui sont complètement découpées. D'accord. Oh. Ici, tu as des ouïes qui sont complètement découpées. J'ai fait des filtres, si tu veux, pour que le son passe vraiment bien au travers. D'accord. Quoi. Donc, voilà. Il faut sacrément s'y connaître, hein, je pense, là-dedans. Ouais. Un peu de temps, quoi, mais... Ça, voilà. je veux pas savoir votre vie privée, mais ça fait partie de votre métier de savoir faire ça, ou alors c'est vraiment qu'une passion? Pas du tout. Je m'y connais un petit peu en mécanique, quoi, mais voilà, quoi, c'est plus pour le coco qui est en face, là. Ouais, parce qu'en fait, on l'a fait de base pour un projet que j'avais au lycée, en terminale. En sciences de l'ingénieur. En sciences de l'ingénieur, ouais. D'accord. Et, ça a remotivé mon... À le continuer et puis à le finaliser. Mais t'as dû faire un carton. Ouais, on l'a amené au lycée, donc il se décompose, les pattes qui s'enlèvent, la tête qui s'enlève. Tous démontent et peut se remonter facilement. Attends. Les pieds, les bras, tous démontent facilement, quoi. Et en fait, je ne peux pas aller dans les détails, mais bon, c'était un peu long à faire, mais. Oui, bah, j'imagine. Mais il y en a qui ont dû être vraiment impressionnés quand ils ont vu ça. Notamment les professeurs, ils étaient contents. Surtout eux, je pense, aussi, parce que c'est plus leur génération après. Pour les journées portes ouvertes, ils disaient, vous pouvez voir qu'il y a un R2D2 ici. Ça tient. R2DX. Ouais, parce que... Bon, je te laisse. Ok, salut, je vous remercie bien en tout cas. C'était vraiment sympa d'avoir pris le temps. Ton prénom? Axel. Pseudo Kishnifou. Tiens, là, on a Chewbacca qui passe, là. Désolé. Salut, Chewbacca. Voilà. Allez, ciao. Salut. Betty, Non. Voilà. Bon, c'est pas R2D2. C'est... R2DX, mais c'est le modèle au-dessus, c'est le... On a pas un peu de putain, ça a même été marqué. Oh, et par contre, lui, il roule pas. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de télécommande. Télécommandé, mais il a des roulettes. Il est sur roulette. Ouais. Voilà, il est sur roulette. Ouais. Donc là, ouais, tu vois, c'est relié à la prise. D'accord. Ah non, mais franchement, je vais te dire, tu m'en avais un peu parlé, mais je m'attendais vraiment pas à cette qualité-là et à tous ces détails et tout ce qu'il a. C'est assez incroyable. Et on voulait aussi rajouter une machine à fumer, mais en fait, le temps que ça s'allume et que ça envoie la fumée, ça chauffe trop à l'intérieur. Ah, d'accord. Donc, on n'a pas pu, mais bon. Et franchement, il brille de mille feux. Ici, on peut lever ça. Il y aura bientôt un petit projecteur en haut qui projettera des étoiles. Ah, ça, c'est bien, ça. Là, pareil. Il y a plein de petits trucs à jeter. Moi j'aime bien l'idée de c'est pas simplement un R2 construit, c'est il y a d'autres choses. Ça c'est vachement bien. Mais il faut le présenter pour les castings du prochain Star Wars, hein, ça peut. Là, si tu veux, là, t'as un projecteur d'étoiles ici. D'accord. Si tu veux, ça s'appelle un Star, je sais plus comment je vais appeler ça. Ici, il y a un projecteur d'étoiles, si tu veux. Bon, là, je l'ai pas branché, donc c'est pas grave. Ouais. En fait, ça te projette des étoiles au plafond et tu peux changer les galaxies, tu as des petits disques à mettre. Ah, carrément! Tu règles le zoom ici à l'intérieur et après, ben voilà. Génial! Là, ce que je voulais faire, tu sais, c'est si tu veux, R2, il a un truc qui sort par la tête, tu sais, une espèce de radar. Oui. Là. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je vois très bien une espèce de parabole. Voilà, tu vois le truc qui sort et puis il vérifie avec une antenne, une antenne radar. Ici, je voulais le mettre, mais. J'ai pas eu le temps, je suis désolé. Je crois qu'il y en a déjà bien assez pour que ce soit impressionnant. Dans une autre galaxie. Ah, mais là, moi je suis vachement privilégié et intimidé du coup, parce que c'est. Il y a du boulot derrière. C'est la maison. Donc maintenant, on passe pour des tarés. Ah, mais pas du tout. Ah, pas du tout, au contraire. Hein. C'est pour des sacrés passionnés, patients et. Franchement, c'est incroyable. C'est aussi grâce à lui que j'ai eu mon bac. Hein. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, oh, du coup. Oh là là. Ah, bien joué. Hein. Félicitations, voilà. Bravo. Hein, parce que c'est un on a plein de photos de petit à petit. Making of. Et franchement, je m'en rends même pas compte hein, de tout le boulot que ça peut... Ça doit nécessiter...
Et pourtant. En deux ans, il a été fait avec plusieurs mois de pause. Ouais, plusieurs mois. Et à la base, vous étiez bien décidé de tout ce que vous vouliez faire, ou alors ça a été rajouté petit à petit, à force, vous avez dit, tiens, ça, ce serait pas mal de le faire comme ça. En fait, si tu veux, moi, le but, c'était pas que ça soit juste un R2, d'accord ? Je voulais qu'il serve à quelque chose, ok ? Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui ferait plaisir à Cédric ? C'est brancher son portable, pourquoi pas un laser ? J'ai essayé la machine à fumer, ça marchait pas, ça surchauffe trop, c'est dommage quoi, parce que ça aurait été sympa. Oui, c'est sûr, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Et puis, une fois que tu sais tout ce que tu veux mettre dedans, en fait, le plus dur, c'est que pendant que la tête tourne, que les fils tournent pas à l'intérieur, donc tu as tout un système, pour pas que ça s'entortille, etc. quoi. C'est vrai. D'accord. Et une fois que tu as ça, après c'est. C'est un jeu de construction, mais dans un ordre précis. Mmh. Ouais, parce qu'il faut quand même bien tout prévoir ce qu'on veut faire et laisser de la place aussi pour d'éventuelles choses en plus pour plus tard. Il n'y a pas de plan sur Internet, d'accord ? Tu ne trouves pas de plan. Tu as un club qui s'appelle le R2D2 Builder Club, mais il faut être inscrit. Bon, moi, je ne me suis pas inscrit là-dedans, donc je suis parti de... on a été visiter l'expo... Star Wars, l'échelle du R2D2 a été faite grâce à la taille du saladier. Normalement, R2D2, il est un peu plus grand, il devrait être grand comme ça. D'accord. Et tout a été fait à l'échelle de ça, quoi, et puis par rapport à la connaissance qu'on a de Star Wars et puis de plans que j'ai réalisés, quoi. D'accord. Avec Cédric Ounet. Donc, j'ai plein de photos, si tu veux que je te les envoie ou... Fais voir sur ton portable un peu comment ça rend. Ça, c'était au tout début. Ouh là là. Ouais, je vois bien. Je vois super bien. Je vais te faire défiler comme ça. Ouais, rapide, c'est bien comme ça. Ouais. Comme ça, on voit bien l'évolution. Que ça, après, c'est devenu ce qu'on a derrière. Là. C'est... là, on dirait presque... Ouais, non, c'est... Et du coup, vous le laissez où ? Vous en faites quoi ? Ouais. On le laisse dans la salle à manger, puis quand il y a des gens de la famille ou des amis viennent manger ici, ça sert de chenifi en fond. Donc, D'accord. Mais ouais, voilà. Mais tout. Bien, bien. Ah non, mais là, je suis soufflé. C'est un sacré truc. Et du coup, tu t'en sers pour ton court-métrage ou pas ? Ah oui, c'est obligé. Je me disais aussi. Mais par contre, je pense que tu dois bien en prendre soin et pas l'utiliser pour n'importe quoi. Ouais. Bien. Voilà, vous avez vu le best. Il y a un laser qui vient sur toi en plus. Ouais, là, il nous fait des petits clins d'œil. Bon, voilà. C'était superbe. Un beau final, un bon bouquet final. Il fallait finir là-dessus. Tout le reste après, ça n'avait plus aucune valeur. Celui-là est beau, hein. Ah oui. Voilà, c'était ma collection. Ah ouais, déjà, tu as une très très bonne collection. Très originale, polyvalente, avec des petits cadeaux, des petits trucs sympas qu'on voit nulle part ailleurs. Et puis, tu nous finis sur un truc monumental. Et c'est pour gigantesque. Ça, depuis que beaucoup de gens savent qu'on a R2D2, ils nous offrent plein de petits gadgets aussi R2D2, comme le PES ou le petit R2 de Japon, là, ou la cassette. Pour accompagner le tout, quoi. Voilà. Ouais, franchement, génial. Que te dire ? Moi, un grand merci du coup pour cette collection. Qui est super fourni, et puis on voit que là du coup moi ce que je voulais, comme je dis, je fais ces genres de vidéos là pour justement voir la passion des gens, ce qu'ils ont, et là on a la preuve même d'une passion immense, putain, et aussi du savoir-faire quand même, hein, parce que putain, pour faire ça, c'est un peu incroyable, et puis, toutes les mesures et tout,
Bon, et bah, du coup, je te remercie. Je remercie aussi, bah, du coup, tes parents aussi d'avoir pris le temps de m'expliquer, d'être là, de nous avoir permis de le montrer. Et puis, bah, à toi merci d'avoir. Oui? de m'avoir permis de montrer ce que j'avais pour tous les gens intéressés. Mais c'est avec plaisir, hein, un grand plaisir. C'était Là, ça. je suis certain que tu vas en faire plaisir plus d'un, tu vas en impressionner plus d'un, mais tu vas surtout en rendre plus d'un jaloux. Ça, c'est clair. Plaisir. Tant mieux. Bon, eh ben, c'était cool. Et puis, bah, écoute. Là, je vais 2 heures quand même. Oui, quoi? 2 heures quand même. On a commencé à 8 heures. Ah ouais, là, j'ai regardé l'heure tout à l'heure. J'ai vu que c'était à peu près 21 h, et là je viens de voir 22 h. Je fais What? Il est passé où le temps là? Je sais pas, mais en tout cas, tu vois, hey, c'est ça, le temps il passe super vite quand tu t'amuses, quand tu parles de ce que t'aimes et tout. Donc voilà, et eh ben écoute, merci encore, c'était cool. À refaire s'il y a d'autres choses de ta collection à l'avenir, je sais pas, dans 2, 3, 4, 5 ans, je sais pas. Après, la passion est inépuisable, et puis les films, il y en aura encore. Bah là, on est sur un projet, c'est le Falcon Millennium. Là, bon, et ben voilà. Non. Ah bah trop tard, c'est dit, hein. Maintenant il nous a teasé pour la prochaine fois, donc ce sera pour la prochaine fois. Bon bah merci à toi, c'était sympa aussi. Allez, c'était cool. Eh bah, ben, retourne bien à tes occupations. Tout le monde, retournez bien aussi à vos occupations. Ciao à tous, ciao à toi, ciao à tes parents, ciao à tout le monde, ciao à Allez. Chewbacca. Et salut, allez. Les Padawan. Ciao.